Chers compatriotes, j'espère que vous vous portez à merveille. Bref, direct, simplement pour que nous puissions tous comprendre concrètement ce qu'il y a comme. Bien que ce sont des événements qui nous ont tous secoués, certains ont été étonnés, d'autres n'ont pas été étonnés, mais j'aimerais avant tout dans ces événements que nous puissions comprendre que il y a des leçons que on doit ensemble tirer. Maintenant, qu'est-ce qu'on devrait disséquer dans ce qui se passe réellement au Gabon? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que nous, les Congolais, qu'on puisse se leurrer. Ce qui se passe au Gabon est concrètement identique à ce qui se passe au Congo. Parce qu'au Congo, on a simplement une miniature d'une élite dirigeante qui est dans une mafia, en ne sachant que priver une majorité des Congolais des acquis dont vous savez très bien que tous les Congolais ont droit à jouir à cela. Parce que chez nous, au pays, vous savez sans doute que le partage des richesses nationales n'est pas équitable. Aujourd'hui, ce sont les Bongo. Hier, c'était les Mobutu. Demain, ça sera impérativement les Nguesso. Il faudrait qu'on puisse dire aux Nguesso, qui pensent que ce pays-là les appartient, que vous n'êtes pas invincible. Que ce soit même les partisans de ces gens-là qui prennent en otage notre pays, vous devez comprendre que le silence du peuple n'est pas la lâcheté du peuple. Aujourd'hui, on est en train de ricaner les gens qui ont soutenu les Bongo. Ils sont même hués dans les rues lorsqu'ils portent les pagnes et les chemises qui ont l'effigie de Ali Bongo. Et je pense que dans le cœur de Congolais, nombreux sont frustrés de la mauvaise gestion qui se réalise dans notre pays. Nombreux sont même dégoûtés de la longévité que M. Denis Sassou Nguesso est en train de réaliser dans notre pays en dirigeant mal la République du Congo. Il est temps que vous puissiez vous ressaisir, que ce soit les députés, que ce soit les sénateurs. Vous devrez aujourd'hui comprendre que le peuple qui est silencieux est un peuple qui est douloureux. Et lorsque ce peuple se lève, vous allez tous subir les conséquences. Personne ne sera épargné. Vous avez vu au Gabon, hein? Personne n'est épargné. On est en train simplement d'indexer toutes ces personnes qui ont participé bel et bien à cette mauvaise gestion. Donc, bon, la mouka, bon, tika l'okuta, on a besoin de ça là-dedans. Gabon, Isa, Congo, c'est pareil. C'est pareil, beaucoup ça batote. Na Gabon, bazala ki na famille moko boye s'imposaka oye kanisa ki mboka wana eza ya bango na Congo pe c'est la même chose, mais nous savons très bien que toute dictocratie a toujours une mauvaise finition. Monsieur Denis Sassou Nguesso, qu'on ne vous trompe pas, vous n'êtes pas invincible, vous allez mourir un jour, vous allez laisser vos enfants sur cette terre et vos enfants risquent de payer notamment la négativité politique que vous êtes en train d'octroyer aux Congolais. Il est temps que vous puissiez réfléchir. Ne suivez pas les chenapans et les partisans ignobles qui sont en train de vous rêvasser que vous êtes éternel. Personne n'est éternel sur cette terre. Personne ne peut sans doute aussi prédire l'avenir. Il est impérieux que vous puissiez vous soucier de ces Congolais misérables, de ces Congolais qui sont obligés aujourd'hui de rêvasser l'étranger comme étant l'Eldorado de leur bonheur. On en a marre. Comment pouvez-vous comprendre dans ce pays-là qu'on ait des députés qui viennent s'asseoir à l'Assemblée comme étant des gourous et qui veulent barboter le peuple que les choses marchent? Au moment où vous savez très bien qu'au Congo, il y a des gens qui sont affamés, il y a des genoux qui n'ont pas d'emploi, il y a des Congolais qui sont désespérés. Et toi, tu es député, soi-disant de la majorité présidentielle, député de l'opposition, dans une telle dictocratie de la sassocratie, tu viens là sur les réseaux sociaux distraire les gens. Les Gabonais sont même en train de se désabonner des pages et notamment même des réseaux sociaux des gens qui ont soutenu les Bongo. Regardez l'éveil des Gabonais. Hier, on se moquait des Gabonais. Mais aujourd'hui, les Gabonais sont en train de démontrer à l'Afrique centrale que ce sont des garçons. Voilà un peuple éveillé.
Voilà un peuple consciencieux. Nous, les Congolais, on est toujours là, en ne sachant que faire la politique des chuchotis. Lorsqu'on critique Sassou, on est contre Sassou. Lorsqu'on critique ces députés Maïeza, qui jouissent notamment d'un mauvais partage des richesses nationales de notre pays. Oh non, Valentin, tu ne peux pas les critiquer, tu es contre eux. Binobo Ali Boma, vous êtes fous. C'est leur pays. C'est leur pays, c'est le pays de tous les Congolais. Au Gabon aussi, c'était comme ça. Les Bongo croyaient que non, parce qu'ils avaient une pérennisation du pouvoir et que le temps leur permettait à s'imposer vis-à-vis du peuple. Ils croyaient que le pays leur appartenait. Mais aujourd'hui, son italandien baso sambo sabango. Parce que quand tu voles ce qui ne t'appartient pas, fin de fin, tu auras des sanctions. Je vous dis sincèrement la vérité. Tous ceux qui soutiennent les Sassou aujourd'hui, vous êtes des opportunistes. Vous ne leur dites pas la vérité parce que vous voulez simplement jouir. Mais lorsque les choses vont changer, vous serez les premiers à jouer notamment aux alouettes. C'est ce qu'on est en train de voir. L'enfant notamment de Ali Bongo qui se presse sur les réseaux sociaux féliciter le président de la transition. Les Gabonais sont en train de se moquer même d'elle en disant tu n'as pas le droit. Tu as le culot de venir féliciter quelqu'un qui est venu simplement mettre une finition à cette dictature qui nous a simplement mis dans la boue, mais tu n'as pas le courage de dire ce que vous avez réalisé de mauvais dans ce pays. Il est temps que vous puissiez dire la vérité à M. Denis Sassou Nguesso. Moi, je vous disais ici, n'attendez pas la mort de ce monsieur-là pour que vous puissiez venir faire la criade sur les réseaux sociaux. Les nous autres, là, l'histoire va simplement retenir qu'on avait eu le courage de dénoncer cette dictature. Et vous, vous devez simplement s'inscrire dans ça. Comment vous pouvez expliquer un pays d'à peine 4 millions d'habitants, un pays qui a quand même des richesses qui peut permettre à ce que le peuple puisse jouir de cela, le peuple puisse être heureux, qu'on ait une minorité des gens qui s'en foutent de la souffrance du peuple, qu'on ait une minorité des gens qui se disent des députés, on connaît même pas leur rôle, ils ne savent que jaboter du n'importe quoi et ils viennent là nous distraire. Moi, je vous pose des questions. Est-ce que des gens comme les Romy Oyo, est-ce que c'est des députés? Dans un pays sérieux, un gars comme Romy Oyo, il peut être député? Des handicapés, notamment du disible de la sorte, parce qu'il y a un disservissant. Hein? Non, c'est-à-dire, à un moment donné, ayez honte. Vous venez sur les réseaux sociaux poster vos photos bien costumées, alors qu'on sait très bien que vous n'êtes que là dans la parlante politique. On n'a plus besoin de ça. Le peuple congolais souffre. Le peuple congolais souffre. Comment le Congolais qui hier était fureux, qui hier refutait même de voyager bêtement, commence à s'exiler même dans des pays où on ne pouvait pas s'attendre qu'un Congolais puisse aller s'installer. Congolais comment vous voyagez dans le Brésil. Congolais comment vous quittez même dans la Lituanie, dans la Roumanie, pour Nanzala. Mais on a en face de nous des gens qui se sont accaparés de ce pays-là comme si c'était leur pays. Et demain, quand les choses vont changer, vous allez tomber simplement dans la vengeance populaire. Vous allez faire la triade là. Oh, on vous aime pas, on vous aime pas. Non, c'est ce que les Bongos sont en train de subir. Ils commencent notamment à pleurnicher. Oh, faites du bruit, faites du bruit. On va faire du bruit pour quelqu'un qui refutait d'écouter notre bruit. Je vous dis sincèrement la vérité. C'est la même chose qui se passe au Congo. C'est une mafia, cette élite dirigeante de notre pays qui s'est accaparée de la richesse de notre pays. Je vous dis sincèrement la vérité. Les Nguesso et les Bongo, c'est la même chose. Déjà, dans les chaînes des Occidentaux, ils sont en train de dévoiler leur vol. Comment ils sont en train de voler et piller le Congo. Oh, le blanc ne nous aime pas. Mais moi, je vous dis sincèrement la vérité. Je préfère le blanc. Parce que dans ce pays-là, même si il y a le mal, mais au moins, on m'a donné beaucoup de bien. J'ai la liberté d'expression. Je peux me soigner, je peux travailler. Mais au Congo, dans ton propre pays, tu vis comme un prisonnier. Et tu trouves ça normal. Hein? Vous venez sur les réseaux sociaux s'inscrire seulement à insulter les Occidentaux. Mais les gens les plus méchants, ce sont les Congolais qui vous condamnent dans cette misère. Ce ne sont pas les Occidentaux. Talanet na Gabon, osana ba milliard na ndako na yo, 4 milliards, au vandi na yo boye, alors que tu es en face de toi des gens qui souffrent. Et tu es heureux de diriger notamment un pays comme ça. Et tu es heureux d'être un gouvernant d'un pays comme ça. En face de toi, tu as des gens qui triment, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger demain. Toi, tu as des milliards chez toi, au Vandi, Nayo, calme et aux Oseka.
Et c'est des gens comme ça, sur les réseaux sociaux, quand on les critique, des maïsans, des Congolais, viennent nous faire la criade, oh, on est contre eux. Moi, je serais contre Romeo Oyo pour gagner quoi? Il a déjà fait quoi dans ce pays-là? Le PSC a déjà fait quoi dans ce pays-là? Ils ont déjà apporté quoi? Tout ce qu'ils ont là, c'est de l'argent du peuple congolais. On les a vus quand ils ont quitté le pouvoir. On les a vus. Le PSC avait encore du poids. Dites-nous, des maïsans. Vous êtes là à faire la criade, oh, Sassou, Sassou, Sassou. Mais Sassou, à votre âge, réfléchissez pas comme ça. Quand j'avais dit à Tchalisson les vérités ici, vous étiez les premiers, non? À m'indexer comme étant quelqu'un qui est contre Tchalisson. À Soukiwa. Quand je disais à Tchalisson ce que tu es en train de faire, Sassou n'est pas dupe. Il sait que tu es là simplement pour jouer au profiteur situationniste. Il va te chasser parce que tu n'es pas seulement là en train de lui faire des hurrahs, mais tu veux aussi démontrer à ceux qui l'entourent, qui sont des voleurs comme toi, que tu es plus que eux. À Soukiwa, Pilenu. Des Mayeza, les Congolais, vous êtes pour la majorité des Mayeza. Parce que quand on voit même votre disible de la faisance politique, c'est basé que sur les sujets. Au quand tu as un groupe WhatsApp et Congolais, au lieu de lever la macambo et veille, bah ça rappelle que le macambo zoba. Monte au couffre dans l'hôtel parce que à quel âge obéit ta mère et la fille, beaucoup partager ma photo. Ça nous regarde en quoi? C'est sa vie privée. Un colonel ou un officier qui meurt parce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'hôtel à Bétama, il y a vie. Maintenant, pourquoi besoin partager ma photo? Il y a eu bébé. Pourquoi plus tout ça là? Même dignité, au bon tout, à Zalaka et à Ango, il y a qu'on respecte ma mort. Mais voilà pourquoi les politiciens s'amusent avec vous. Vous croyez que moi, je peux soutenir même l'enfant de Lissouba qui est député au Congo? Je vais gagner quoi là-bas? C'est un voleur. Comment tu peux être député dans une dictocratie? Tu vas gagner quoi là-bas? C'est-à-dire, dans une dictocratie, tu ne peux pas être politicien. Parce que si tu deviens politicien dans une dictocratie, tu es simplement complice de cette mafia-là. Depuis que l'enfant de Lissouba là, est élu là-bas, qu'est-ce qu'il a changé à Dolizy? Vous étiez les premiers ici à faire la criade. Oh, bah, votez-moi la Lissouba, à rechanger maintenant. Moi, je vous disais ici, ce monsieur-là, c'est un escroc. Il n'a pas pu ici en Europe. C'est un Français, non? C'est un Antillais. C'est un Français de la nationalité française. Pourquoi il n'a pas abandonné sa nationalité? Il n'a pas pu ici. À Kimi, na Congo, à que son bouffon, qu'on n'a pas pu signer poste pour Alia. Congolais, ma yéza, tu ne manges pas, tu es affamé, mal soigné, mal réfléchi, tu viens soutenir des gens comme ça. Bon, regagnez leur côté. Tous ceux qui sont complices avec la sassoucratie qui se passe au Congo, ce sont des gens à condamner. Voilà le Gabon, le gars qui a fait le coup d'état. Tellement il était à côté des Bongo, il a compris le système. A son limité même au moto Oyo, à Zalakaka, à côté Nabango, à côté Benga Nabango tout. Il préfère travailler même avec les vrais entrepreneurs. Voilà pourquoi il est temps au Congo qu'on puisse encourager les vrais entrepreneurs. Bato Oyo, Basalaka, Misala Nabango, sans aide même les politiciens. Faut encourager Bango. Parce que Mabé à Congo, les lois et Zande, les politiciens, Mabé Oyo, Bazobo, Mambo, Kanabiso. Faut lever la Bango. Hein? Bisso, tant que tu te lèves là, qui Bango, Bofinga, Dibiso. Relevant, nous a contre. Nous avons la contre, ça se pour gagner ni. Nous avons la contre, Romi Oyo, pour gagner ni. Nous avons la contre, PCT pour gagner. Mais j'ai le droit de leur dénoncer parce que tout ce qu'ils font là, ils le font avec l'argent du contribuable congolais qui est mal distribué. Et on en a marre. Comment pouvez-vous comprendre dans ce pays-là qu'on ait même des enfants bon. Et on a ce premier ministre-là, un cabotin comme ça, qui a été ministre de l'enseignement, qui n'a pas été à la hauteur. Et tu as des yézas, des ignares, des aliborons qui sont là en train de le plébisciter comme étant le meilleur premier ministre. Depuis qu'il est là, premier ministre, qu'est-ce qu'il a changé dans vos vies? Hein? Quelqu'un qui a été un échoué à l'enseignement, vous croyez que c'est seulement là où il est à la primature qui va faire les miracles? Dites-nous, Collinet, depuis qu'il est là, il a déjà changé quoi? Dites-nous, depuis qu'il est là, les retraités, c'est-à-dire nos papas qui ont travaillé pour le progrès de ce pays-là, aujourd'hui, ils sont condamnés à vivre comme étant des malpropres. Vous trouvez ça normal? Sassou lui-même, c'est un retraité. Lui, Sassou, il est retraité, non? Malgré qu'il s'accroche au pouvoir, c'est un retraité. Hein? Donc, lui, si on lui prive de l'argent qu'il vole du Congo, là, il sera encore président. Non, à un moment donné, ça fait mal. Quand je vois des jeunes de notre âge venir soutenir des gens qui pillent le Congo, et vous êtes là sur les réseaux sociaux à afficher même leurs photos. Mais moi, les Boma, vous êtes fous, les Congolais. Voilà pourquoi je vous dis, hein, ne m'écrivez plus. Ceux qui viennent distraire les gens là, oh, les vannes, envoie-moi 50 euros. D'ailleurs, je vais envoyer aucune somme à nos compatriotes qui soutiennent notamment ces vauriens. Ce sont les vauriens. Vous ne pouvez pas être là plus de 30 ans au pouvoir et le gozo salamate, et bah, caresse arabino dans le sens du poil. Et lorsqu'on vous critique, vous trouvez cela néfaste. Mais pourquoi ils ne commentent pas ce qui se passe au Gabon? Parce qu'ils sont consensuels.
que ce qui se passe au Gabon est identique notamment à ce qui se passe dans notre pays, où on a une famille Nguesso qui pense que le Congo les appartient. Denis Omar, repars au Gabon là-bas, on doit t'arrêter. Parce que toi aussi tu as participé à cette dictature des Bongo qui a fait tomber ce pays. Zongana Mboranayo, Denis Omar, on doit te répatrier. Va là-bas. Tu viens distraire les gens au nord parce que c'est le petit-fils du président de la République du Congo. On s'en fout de toi, tu nous as rien apporté. Papa Sayo à Verda, Talandeng Mbogeza Salité. Tu es un bandit, repars là-bas. Tu dois être sanctionné, on doit vous emprisonner les Bongo là. Une honte pour l'Afrique. Vous êtes là, vous prenez des pays, des gens en otage, au lieu que vous puissiez être à peu près comme les Kadhafi, pour qu'on puisse même vous faire des acclameurs, non. Vous devenez pire que Kadhafi. Et vous voulez que les gens puissent vous applaudir. On va vous applaudir parce que vous avez fait quoi dans la vie des gens? Bino Bozo Bonga Batobazo Koufa, et les Bonini, mais on va applaudir Bino. Je vous le dis, hein, vraiment priez que le diable puisse toujours continuer à convaincre Dieu pour que vous puissiez vous pérenniser dans cette dictature. Je vous dis sincèrement la vérité. Les gens que vous voyez là, qui ont un air riant à votre égard, ce sont des gens qui ont une colère enfouie en eux, envers vous. Que les choses puissent connaître seulement un chamboulement. Vous les députés Mayeza, les sénateurs Mayeza, on va vous caillarder, on va vous caillasser. On est seulement là. Bon, on peut s'en avoir raison. Nana, d'abord, c'était comme ça, non? Les gens qui soutenaient Bongo. Oh non, non, non. Mais aujourd'hui, on commence même à les huer, Nanzela. On commence même à les jeter de l'eau, les pierres, à les insulter. Parce que la colère du peuple n'est pas la lâcheté du peuple. Le silence du peuple n'est pas la lâcheté du peuple. Et je vous dis sincèrement la vérité. Ce qui se passe au Gabon doit nous interpeller, nous les Congolais. Félicitations au peuple gabonais, parce que vous avez démontré à l'Afrique centrale et notamment dans le monde que celui qui règne dans le mal finit toujours par payer d'une mauvaise manière le mal qu'il a semé. Les Bongo doivent récolter le mal qu'ils ont semé en Afrique. Une honte cette famille. Denis Omar repart au Gabon. C'est là-bas ta place, pas au Congo. Parce que moi je ne peux pas comprendre que même toi qui as été soi-disant intellectuel, tu n'as pas osé critiquer Ali Bongo. Tu étais dans le mutisme. Parce que vous n'allez pas mentir les gens ici. Même la fille de Bongo qui vient distraire les gens sur les réseaux sociaux en mettant « Oh, félicitations au président Nguema ». Tu es une menteuse, profiteuse, je dirais même une prostituée, Niama. Quand ton père était en train de voler l'argent du Gabon là-bas, pourquoi tu ne l'avais pas critiqué? Pourquoi tu n'as pas d'abord commencé à critiquer ton père? Tu viens simplement féliciter des ignares que vous êtes. Vous devez être punis. Moi, je prie vraiment que tous les Bongo, on puisse même vous emprisonner. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Vous faites plusieurs décennies comme ça, à s'enrichir sur le dos de la misère d'un peuple. Et vous venez là, derrière de moi, vous pavanez sur les réseaux sociaux. Baniya Manabino. Et vous êtes là à vouloir nous distraire. Et vous avez des compatriotes Mayeza, des ignares, des aliborons, des chenapons qui viennent vous faire notamment des félicitations. Vous avez fait quoi dans ce pays-là pour qu'on puisse vous féliciter? Les Bongo, vous avez fait quoi? Si on a notamment connu votre père, c'est parce que c'était un potiche de la France-Afrique. Faut tout le barapé vérité. Donc, à un moment donné, il faut que tout ça n'a pas fait bateau. Tout ça n'a pas fait bateau. Hein? Congolais les lois zangatina comme ils ont tambo la kili kili. Congolais comme ils ont kima kili kili parce que pas c'est les qui n'emboka naï. Mais là on est à peine seulement 4 millions ou 5 millions. Mais tant que tu vois comment on va 10 millions aux alandéreni. Tout ça c'est quoi? Parce qu'on a une minorité des députés Mayeza, des sénateurs Mayeza, de l'opposition et de la majorité présidentielle discutable qui sont là en train de se pavaner à jouir de ce mauvais partage des richesses de notre pays. Mais Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Vous serez punis. On est sur le moment là. Les Bongo croyaient qu'ils allaient tomber comme ça. Les Mobutu croyaient qu'ils allaient tomber comme ça. Toute chose a une finition. Et la Bible ne cesse pas de nous interpeller en disant « Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. » Vous avez mal commencé la gestion de notre cité. Et votre finition ne pourra que être malsaine. Ne vous trompez pas, même si Sassou meurt au pouvoir, vous les enfants de Sassou, les petits-fils de Sassou, vous allez payer. Parce que le peuple n'a pas la mémoire courte. Le peuple retient tout, même si ce peuple est dans le mutisme. Je vous dis sincèrement la vérité. Ça fait mal. Batoba Koufa Nambo, on a pas ordonnance à 500 francs CFA. Ça dit 1 euro.
moto akufi. Hein? Bato bazo koufanzala. Ba retraité bazo mona pasi. Bino na ba réseaux sociaux bazo poste ba photo bo sekaka le peuple. Ah! On est sur le mot là. Mais je pense que ce jour-là, quand ça va vous arriver, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Parce que on va simplement ricaner et vous dire que le deuxième nom de Dieu qui est le temps a fini par vous sanctionner. Ça fait mal. Comment aujourd'hui vous pouvez comprendre Congolais n'ambo kanaye moko aza dégoûté. Congolais n'ambo kanaye moko aza susuna plaisanceté. Yako vivre n'ambo kawana. On a une minorité de gens qui sont pour la majorité des villageois qui ne comprennent pas qu'on est devenu des républicains, c'est-à-dire une république. On doit se comporter dans cette respectabilité-là à ne savoir que mieux appliquer les lois républicaines. Mais to bosana égalité, to komaka ta familiarité, amicalité, mais c'est quoi ça? Et voyez, vous le là-bas, le PCT. Le PCT a déjà fait quoi pour les Congolais? Dites-nous, le PCT a déjà fait quoi pour les Congolais? Depuis sa création, c'est l'un des partis politiques qui n'a su que suyer l'histoire politique de notre pays. Le PCT a déjà fait quoi? Bah, il y a une tricherie. Bah, il y a une consacrabato, au bon marabato. Le PCT a déjà fait quoi pour les Congolais? Dites-nous. Le PCT est comparable au PDG, au Parti démocrate de Gabonais, là, de Bongo, de Maïeza comme ça. Le PCT et le PDG, c'est les mêmes partis, notamment idiomatiques de la politique africaine. Ils sont là à distraire les gens. Et tu as des députés Maïeza comme des Romy Oyo qui viennent distraire les gens. Oh non, Prigochine ne devrait pas beaucoup parler. Toi, tu es bête, hein, tu es fou. Donc, toi, tu peux te comparer à Prigochine. Romy Oyo, toi on peut te comparer à Prigojine. Prigojine au moins, lui, il était un voyou qui a réussi à entreprendre. Toi, tu as déjà entrepris quoi dans ce pays? Tu es un façonné de la sassoucratie. Toi, tu peux parler de Prigojine, toi. Lui, au moins, il a eu le courage de dénoncer le mauvais côté de son ami Poutine. Toi, tu as déjà eu le courage de dénoncer le mauvais côté de cette dictocratie qui est en train de t'enrichir. Des Maïeza comme ça qui sont devenus des députés dans ce pays-là, ils pensent qu'ils sont éminents. Tu es éminent. Faites aussi les débats qu'on puisse notamment écouter votre intelligentsia débattique de la politique de notre cité. Faites aussi les débats. Des Maïeza comme ça, on plébiscite les députés, ils croient qu'il est plus que les gens. Tu serais intelligent pour les Maïeza du Congo, pas pour nous. Je vous dis la vérité, vous n'êtes rien, vous les députés du PCT là, les sénateurs du PCT, les gens qui font la politique au Congo, les opposants là, vous n'êtes rien, vous êtes des larbins, des ignares, des chenapons, vous n'êtes rien, vous représentez quoi? Vous venez ici, ma considération Rabine, non? C'est vous qui forcez les considérations. Ma conso est venue ici, non? À l'équipe, puis la chaîne, il y a Mindele, ma bête, ma beau. Coute Mindele, ma rosekaye. Comment un pays pétrolier comme ça, vous êtes très endetté, oh non, la dette, hein, des Maïeza. Vous avez vu au Gabon, le président de la transition, il a dit cela. Nous devons se battre à mettre notamment une finition à cette dette qui est devenue énorme, que la famille Bongo a élargie. Et nous devons se soucier des retraités. Tala moto aligné Mbokanaï. Biso ba dette tozo zwa pona ba bomengo ya ba ngeso na ba chenapon na bango. Ba dette tozo zwa pona bomengo ya ba ngeso na ba klebar na bango. E bo lingite ba toba loba. Non. Moi, je trouve même idiomatique que les Congolais, vous puissiez aller mettre j'aime sur des pages de ces voleurs-là. Ils n'ont rien fait pour le Congo, ils vont rien vous apporter. Si quelqu'un en deux mandats, il n'a pas pu t'apporter le sourire, ce n'est pas en trois ou quatre mandats qu'il va t'apporter le sourire. Le Congolais ne sourit plus. Le Congolais pleure. Le Congolais, tous les jours, il est devenu même plus religieux que ceux qui nous ont apporté la religion parce que le Congolais rêvasse même que c'est à travers la religion qu'il sera dans le bonheur. Alors que c'est à travers la bonne faisance politique de cette élite dirigeante de notre pays que le Congolais devrait avoir le bonheur. Mais aujourd'hui, on a une élite dirigeante des mafias. Ce sont des mafieux, ces gens-là. Ils n'ont pas l'intérêt général dans leur pensée. Ce qui les intéresse, c'est piller le Congo. Profiter notamment de ce partage qui n'est pas meilleur pour tous les Congolais. C'est ça qui les intéresse. Et nous, en tant que citoyens, on ne peut pas encore encourager ces gens-là. Vous devenez leur larbin.
Vous devenez leur atalakou. Pourquoi? Parce que tu veux qu'on te nomme seulement à un poste pour avoir un 500 000, un 600 000. Mais le rôle que tu joues historiquement, mais c'est un rôle idiomatique. Tu vas gagner quoi? Eux, ils sont devenus des milliardaires à travers le vol de nos richesses qui sont en train de mal partager. Toi, on te donne les miettes, tu deviens là celui qui veut faire la jacasserie politique sur leur mauvaise politique. Mais quand eux, ils vont tomber, eux, ils peuvent fuir avec des milliards. Toi, tu vas fuir avec quoi? Avec les 500 000 qu'on te donne, les 1000 francs qu'on te donne, les 5 000 qu'on te donne. Hein? C'est triste, Congolais. Tola Mouka, Tala Gabon, le pays qu'on était en train simplement de ricaner. Balaki Sibiso, que c'est un peuple éveillé. Hein? Les Bongo aujourd'hui sont tombés. Moi, je suis très heureux. Je dis sincèrement merci à ce militaire, même si on a mis un coup d'état, mais au moins ça y est, l'eau m'a bête, mais m'a bête. Parce que Biso tout, Tolina quitté. Ma camoua n'est où, mais là? N'a-t-il pas une vérité? La ligne a beaucoup de tâtés, mais awa, au moins, à sali, et l'eau, comme à l'amour. Maintenant, et l'eau, toujours, c'est un motoana. Oui, à sali, coup d'état. Il ne faudrait pas. Ah, comme à l'eau, là, bongo. Il faudrait qu'il y ait paix. Ah, mais ma pensa, changement, oyo. Bah, gabonais, bazo, linga, et salama. Courage, naïe. Ma camboazo, ça, là. Mais. Je vous dis sincèrement la vérité, parce que ça prône notamment une autre facette de la dictocratie. Mais quand cela est nécessairement meilleur à se réaliser pour qu'on ait un chamboulement sociétal dans un pays, je suis partant. Je suis partant. Sincèrement, je vous le dis à tue-tête, on en a marre de ces familles qui prennent nos pays en otage. Le Congo n'appartient pas au Nguesso. Le Congo n'est pas une propriété familiale de Nguesso. Quand papa Julien Nguesso mourait, il n'avait jamais dit à Sassou Nguesso Denis que le Congo là, c'est mon champ. Non. Quand Dieu a permis à M. Denis Sassou Nguesso d'être aujourd'hui celui qui s'est imposé politiquement, c'était pour qu'il puisse mieux accomplir sa mission. Monsieur le Président, comprenez qu'il y a une majorité des Congolais qui souffrent. Ne tombez pas dans cette aberration de votre entourage qui est rempli simplement des chénapons, des aliborons et sans doute des clébards qui viennent que vous faire des hurrahs, qui ne veulent pas vous expliciter la réalité. Ne soyez pas floutés de la réalité. C'est ce qui a conduit simplement Monsieur Ali Bongo dans sa propre chute. Flouté de la réalité, il a cru qu'il était toujours coriace. Il ignorait que même dans son cercle, il y avait des gens qui étaient dégoûtés de cette ténacité qu'il voulait simplement réaliser à se pérenniser au pouvoir. Quand vous durez au pouvoir, soyez au moins comme Kadhafi, on peut vous comprendre. Mais si vous durez au pouvoir pour être pire que Kadhafi, vous serez incompréhensible. Les Congolais pleurent. Le jeune Congolais aujourd'hui est devenu simplement désespéré. Alors que c'est vous, M. Denis Sassou Nguesso, qui avez eu le toupet de plébisciter à tue-tête que vous êtes l'apôtre de l'espoir renaît. Est-ce que la renaissance d'espoir est encore dans la vie des Congolais? Je ne pense pas. La Congolaise de la République du Congo est devenue aujourd'hui une femme dépouillée de dignité. Pour 5 000, elle peut livrer son corps à quelqu'un. Pour 1 000 francs, elle peut sans doute aussi se déshabiller. Est-ce que vous trouvez ça normatif? Que nos sœurs puissent devenir des prostituées pour des miettes? Vous trouvez cela normatif qu'on ait aujourd'hui des hommes qui deviennent des homosexuels simplement parce qu'ils veulent mener une vie richissime, simplement parce qu'il n'y a pas de travail et ils sont face notamment à des gouvernants qui sont des mafieux qui leur exigent ces pratiques maçonniques et je dirais simplement idiomatiques aussi. Parce que ces pratiques ne contribuent jamais au progrès de notre pays. Non! Le Congolais est dans le mutisme, mais c'est avant tout un citoyen meurtri. Ne pérennisez pas ces soucis que les Congolais ne veulent pas dévoiler énormément. Je sais, vous avez réussi à vous imposer militairement, politiquement. Vous allez sans doute mourir
au pouvoir. Mais monsieur Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce que l'histoire retiendra de vous? Vous n'avez pas réalisé tout ce parcours de la politique pour que vous puissiez finir notamment comme un cabotin. Moi, j'ai eu le temps de relire à foison votre livre biographique, Le Mangué. Dans ce livre, vous avez dit clairement que votre destin ira plus haut que les étoiles qui sont dans les cieux. Et je pense qu'en disant cela, c'était simplement une manière de octroyer aux populaces que votre destin sera exceptionnel. Mais votre destin ne peut que être davantage exceptionnel si vous réussissez à accomplir la volonté populaire, c'est-à-dire que le Congolais, dans son ensemble, puisse bien manger, bien se soigner et trouver de l'emploi. Que le Congolais puisse être fièrement partout, comme l'hymne national du Congo l'exige. Monsieur Denis Sassou Nguesso, personne n'est contre vous, parce qu'on est tous des mortels. Si aujourd'hui on vous critique, c'est parce que vous êtes dans une faisance politique qui est devenue avant tout blafarde. On a le droit de vous critiquer parce que vous ne dirigez pas un champ, vous dirigez notre pays. On ne peut pas tous être de votre camp au moment où on sait très bien que vous êtes en train de faire des choses néfastes. Comment pouvez-vous comprendre, monsieur Denis Sassou Nguesso, dans notre pays, qu'il y ait des députés nommés qui n'arrivent pas à dire la véracité sociétale de notre pays? Comment vous pouvez accepter dans notre pays qu'on ait soi-disant des sénateurs, mais qui sont pour la majorité des farfelus, qu'ils ne puissent pas oser dire la véracité sociétale de notre pays? Non, ne vous taisez pas. Il est temps que Bobunda, il est temps que Bolakisa, image Moussus, Mbokezo Beba. Moi, je vous dis sincèrement la vérité. Regardez le nombre y a ma compatriote Oyo, Bazo Bimana Mbokanabiso. Bazo Bimana Isengoku. Et Bele Bazo Bimaka Kanabut va s'exiler. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça dit qu'un pays comme le Congo, qui n'a même pas encore 10 millions d'habitants, qu'il y ait une multitude de compatriotes qui ne rêvassent que l'étranger comme étant l'Eldorado où ils doivent mieux vivre. Aujourd'hui, on a beaucoup de compétences qui déambulent. Mais ça doit nous faire mal. Parce que ce pays-là, on ne va pas reconstruire ce pays-là avec les Mayeza, qui sont les députés, qui sont les sénateurs, qui sont des politiciens, qui sont simplement là en train de faire la chamaillerie politique. Ce pays-là, on ne va pas le reconstruire avec ces faux politiciens. Vous le savez très bien que ce pays-là a besoin des intellectuels. Ce pays-là a besoin des patriotes. Mais quand on est face notamment à ces gens qui pillent notre pays, à ces gens qui deviennent des vantards sur le mauvais partage des richesses de notre pays, mais on ne peut que être volté. Est-ce que Nana va soutenir Romi Oyo? Non, toi ça la rappelle bateau. Est-ce qu'un Congolais qui réfléchit, tu peux soutenir quelqu'un comme Romi Oyo? Est-ce qu'un Congolais consciencieux, tu peux soutenir le PCK? C'est-à-dire un Congolais qui réfléchit, tu n'es pas fou. Parce que c'est seulement le fou qui a perdu la raison qui peut soutenir ce qui est en train de le tuer. Non, disons-nous la vérité. Est-ce qu'un Congolais sérieux, tu peux simplement soutenir une opposition qui est en train d'encourager la pérennisation despotique de cette sassoucratie? Non, disons-nous la vérité. À un moment donné, hein, ne faisons pas semblant. Soyons sincères. D'abord entre nous. Parce qu'aujourd'hui, la misère des Congolais ne va jamais se résoudre par un étranger. La misère des Congolais sera résolue que par les Congolais. Mais la peur, c'est que la solution de cette misère-là puisse venir de la révolution. Parce que si cette solution émane de la révolution, je vous dis sincèrement la vérité, au Congo, ça sera pire que ce que nous avons vu au Gabon. Parce que les Congolais sont non pas seulement frustrés, mais colériques. Vous le savez très bien, on s'est déjà entretué entre nous pour des histoires des politiciens ignobles. Mais là, il s'agira notamment de défendre notre pays dignement. Et si le peuple se lève
d'une manière unitaire à faire tomber cette dictocratie. Je vous dis sincèrement la vérité. Il y aura non pas seulement des pillages et des tueries, mais avant tout des conflits incessants dans notre pays. Monsieur Denis Sassou Nguesso, il est temps que vous puissiez réfléchir 1000 fois. Préparez votre sortie. Vous n'êtes pas éternel, vous allez mourir. Si Mobutu est mort, c'est que toi aussi tu vas mourir. Réfléchissez, c'est un péril. C'était juste le message que je tenais à vous octroyer. Mais bon, que Dieu puisse vous bénir. On est ensemble. Mais vous allez ma patriote. Vous allez le coutant. C'est un péril. Bon, va ma bénir, bénir, on est ensemble. Ce message, c'était simplement pour vous interpeller que nous devons tirer des leçons. Congolais fièrement partout, c'est ce Congolais patriote. Congolais fièrement partout, c'est ce Congolais réfléchi. Congolais fièrement partout, c'est ce Congolais qui n'est pas un imbécile. Parce que seuls les imbéciles ne changent pas. Congolais fièrement partout, c'est ce Congolais qui a compris avant tout le Congo d'abord, le pays avant tout. Congolais fièrement partout, c'est ce Congolais qui refuse simplement de faire les hurrahs envers ceux qui tuent ce pays. Congolais fièrement partout, c'est celui ou celle qui s'inscrit dans l'éloignement de cette pensée dont vous savez très bien que le président Philibert Youlou avait su prophétiser à notre égard. Un jour, on va applaudir les fous. Voilà l'applaudissement des fous. Bato bazo koufanzala, yozo liya mbongo ya bato, na kanaye, ozo liya mbongo ya bato, na lokuta na muyibi, na lokoso, et ozo ya kosepela. Na mona rabato mosusu, ya famille ngeso, ou ba ngeso, ou ba klebar ya ba ngeso, bazo poste biso ba vidéo, ba photo, bazo seka. Alors que bazo profite na partage ya ma bé, ya ba richesse ya Congo. C'est triste. Ça dit que l'ennemi du noir, c'est le noir, c'est pas le blanc. Toko samarate. Toko samarate. Yézamawa.